Salut, aujourd'hui on va semer les cornichons. Alors cette variété là, c'est des petits vers de Paris, hein, tout simplement. Choisissez les variétés qui correspondent bien sûr à vos régions. Donc ce qu'on va faire, j'ai préparé ma plaque. Alors c'est mieux en plaque, bien sûr. Vous, si vous avez 5-6 pots de cornichons à faire, vous les faites dans des petits godets ou hein, dans des petits pots comme vous voulez. Et puis vous mettez deux petites graines et puis comme ça vous êtes tranquille. Moi je le fais en tant que professionnel bien sûr. Donc moi j'en ai 150, là c'est une plaque de 150. Et puis je vais vous montrer comment je sème tout simplement avec plein d'astuces. Alors je vais vous mettre ce qu'il faut, comment préparer la plaque. Comme ça va être plus simple. Et pour tous ceux qui n'ont pas vu les autres vidéos, comment je sème plein de variétés de légumes pour nos potagers. Et pour tous ceux qui ont déjà vu cette partie là, ils peuvent passer à la suite, et puis on se retrouve juste après. Il vous faut des plaques alvéolées. Donc là, c'est des plaques très très costauds. Hein. Moi, je prends des plaques vraiment rigides. Hein. Ça, c'est important parce que les autres plaques, c'est léger et tout. Et puis, c'est pas terrible quoi. Donc, hein, ça, vous pouvez le retrouver sur mon site internet. J'en ai encore quelques-unes parce qu'après, j'arrête de vendre ces produits-là sur mon site. Donc, profitez-en. Il vous faut donc bien sûr des graines. Il vous faut un petit crayon, des étiquettes. Le crayon à papier lui permet d'écrire sur les étiquettes. Et comme ça, après, on efface, on récupère ces étiquettes. Ce qu'il vous faut aussi, donc, c'est un très très bon terreau à semis. Ça, c'est important. Et moi, comme je vous avais dit aussi, pour l'arrosage, j'avais modifié un petit pulvée qui était plus ou moins abîmé, hein, le bout s'est cassé, donc, et en fin de compte ça me fait un super petit truc pour arroser vraiment tout doucement mes alvéoles, et je peux vous dire que c'est vraiment le top, parce qu'en pulvérisation comme ça, on en met toujours plus ou moins que là, hop, ça permet vraiment d'arroser, et je vais vous montrer ça à la fin de la vidéo. Comment bien remplir une plaque alvéolée? Donc il faut prendre un très très bon terreau à semis. Ça c'est hyper important. Bien humide, bien sûr. Il ne faut pas qu'il soit sec. S'il est sec, vous le mettez dans un petit seau et vous rajoutez de l'eau. Et puis vous tournez jusqu'à temps que l'eau soit complètement absorbée par le terreau. Et ça c'est hyper important que le terreau soit bien humide. Alors on remplit bien les alvéoles. Une fois qu'ils sont remplis. Bien remplir, c'est le plus important, vous voyez. Généralement, les coins, hop, on a toujours un peu de mal à les remplir, donc bien les remplir, comme ça, sans tasser de trop, juste tac, tac, et c'est suffisant. Si vous voyez que les trous ne sont pas encore totalement remplis, il faut que soyez rempli à ras-bord, ça c'est hyper important. Voilà, on fait ça. Et voilà, là c'est prêt. On va remettre un petit peu là, et là c'est prêt. Moi, pour faire les trous rapidement, j'utilise une plaque de dépotage. Alors ça, c'est une plaque qui représente 50 alvéoles. Donc c'est des plaques que j'ai coupées, moi, qui faisaient 150. Vous voyez, par rapport à la plaque de dépotage, vous voyez, là, il y a 150 trous, on voit. Et là, pour aller beaucoup plus vite, hop, je fais ça, je les mets dedans. Voilà, comme ça. Voilà, comme ça. Et je fais mes 50 trous d'un seul coup. Et comme ça, ça me permet directement, les trous, les pré-trous sont faits, et je mets la graine qui correspond, bien sûr, aux semences que je vais faire. Alors voilà, donc moi j'ai préparé ma petite plaque, donc j'ai fait mes avant-trous avec ma petite plaque de dépotage. Vous, si vous en avez besoin de 50, il n'y a pas de souci. Alors comme d'habitude, évitez toujours d'en mettre par, c'est-à-dire des cornichons, des concombres, des machins, des bidules. C'est mieux de le faire par plaque. Si vous n'avez pas besoin de 150, vous découpez comme moi des plaques, j'ai découpé, et c'est mieux quand même, comme ça vous savez que bon, il n'y a pas de souci, des fois on ne peut pas se tromper, tout ça, donc faire attention. Donc tout simplement, donc on va préparer, alors moi c'est de la graine que j'ai récupérée, ce petit ver de Paris, c'est des graines reproductives, donc il n'y a pas de souci. Et puis tout simplement, alors, on va prendre un peu moins. Donc, moi comme là j'en ai beaucoup, là j'en mets une par une, vous voyez, tout simplement, tac. Alors j'ai fait des petits trous d'à peu près un demi centimètre, j'ai mis un demi centimètre, et comme ça, ça me permet
après vous allez voir que je ne vais pas recouvrir la graine. Alors ça c'est ma petite astuce à moi, c'est comme ça que je fais, mais faites attention, si vous avez des rongeurs, des souris, peu importe, ou des oiseaux aussi, ils vont bouffer les graines, hein, ils adorent ça, en ce moment ils cherchent de la nourriture, donc il faut faire attention. Il faut, alors soit vous mettez une petite plaque dessus de verre par exemple, ou alors un petit bout de plastique en attendant, mais vous surveillez bien, dès lors que ça commence à germer, bon bah là vous retirez votre plaque, et ça permet de protéger. Alors moi pour l'instant j'ai pas de soucis, hein, j'ai certainement des souris tout ça, mais vous avez déjà vu que j'avais des chats pas mal dans la serre, et bon voilà, ça régule un petit peu, et bon allez je prends le risque quand même de rien mettre, parce que pour l'instant j'ai pas trop de place non plus, et aussi j'ai beaucoup de graines, hein, vous voyez, donc je le saurai hein, tout de suite, puisque je vais pas recouvrir la graine, je le saurai si les graines ont été mangées ou pas, hein, et puis après il va falloir faire attention, c'est surtout aux escargots, dès lors que les germes vont sortir, les premières, même les cotylédons, et eh ben ça peut vous les bouffer rapidement. Alors le petit cornichon, après lui il va se planter, alors moi je vais le mettre sur mon triage. Et normalement, il lui faut une terre bien drainée, au soleil bien sûr. Alors avec un petit support, soit un grillage, soit des tuteurs, alors soit des tipis ou des choses comme ça, hein. Ça fait quand même du poids quand même, ça monte assez haut. Et bien sûr, il faut un support. Hein. Alors après, vous pouvez les mettre sur des bâches par terre, vous pouvez faire ça aussi, hein. Les industriels c'est ce qu'ils font. Mais bon, c'est des variétés adaptées. Si dans vos régions il pleut, c'est vraiment boueux ou pas, bah c'est pas facile, hein, les cornichons vont s'abîmer, donc à voir. Mais bon, voilà, le mieux c'est un petit tipi si vous n'avez pas grand chose. Et alors ça se taille pas, hein. Moi je les taille pas, alors peut-être qu'il y a des personnes qui les taillent, hein, mais moi je taille rien, je le laisse partir dans tous les sens. Et il faut faire attention parce que dès lors que ça commence à donner, bah ça va vite, ça grossit très très vite. Alors si vous voulez faire des pots de cornichons, il faut quand même avoir quelques pieds, parce que bah, sur un pied tout le monde ne sort pas en même temps, et bah, après le temps de faire vos cornichons tout ça, bah, vous allez avoir des gros, des petits, alors ça dépend, hein, si vous aimez ça, mais bon c'est quand même mieux d'avoir au moins minimum 3 pieds si vous faites une grosse quantité de pots de cornichons. Moi c'est comme ça que je le vois, parce que je vois bien quand je fais mes récoltes, donc voilà, après c'est à tester, hein, bien sûr. Bon alors ça pousse quand même pas mal, hein. Ça, un pied ça représente au moins, allez ça peut monter jusqu'à 2 mètres à peu près, et ça peut représenter un bon mètre, voire un bon mètre 50 de large. Donc vous voyez, 3 pieds ça fait déjà de la surface, et je vous dis, dès lors que ça commence à donner, ça va très très vite. Alors bien sûr, hein, bon alors une bonne terre bien légère, ça a besoin de beaucoup de nourriture. Alors généralement on fume un petit peu avant à l'hiver, si vous n'avez pas fumé, vous mettez des composts, des fumiers déshydratés au pied, au moment de la plantation, hein, quand on va le faire. Et bah après ça se passe bien. Après il n'y a pas trop de. Allez, pas trop de soucis une fois qu'il est démarré. À part au tout début les escargots, les gastéropodes. Mais bon voilà, en règle générale ça va. Une fois qu'il est parti, c'est bon. Bon après si on a un été très très pluvieux, bah il attrape les maladies. Mais bon, en règle générale, ça va. Donc voilà, j'ai fait mes 150. Donc comme je vous ai dit, je recouvre pas. Mais comme je vais arroser, on va passer ça comme ça, comme je vais arroser avec mon petit système. Bon bah ça va recouvrir quand même les graines. Voilà. Vous voyez, hop, c'est parti. Donc là, j'arrose. Je fais juste un petit passage. Et je vais surveiller, bien sûr, en fonction de la qualité de vos terreaux, bien sûr. Ça, c'est important. Surveillez toujours les coins, hein, quand vous faites des plaques, bien souvent c'est les coins qui sèchent plus vite. Donc voilà comment on procède pour faire une plaque de petits cornichons. Et puis bah, dites-moi vous comment vous faites, si vous avez des petites astuces mieux que ça, bah, ça m'intéresse, et puis ça intéresse la communauté bien sûr. Et puis bah, là je vais mettre ma petite étiquette, n'oubliez pas les petites étiquettes, hein, ça c'est important, et surtout pour savoir la date, à quel moment vous l'avez fait, et en fonction de la date, bah, vous savez que bah, tous les ans ça sera à peu près la même chose. Donc on va mettre ça
Moi, je vais mettre ça sous mon petit tunnel là-bas. La nuit, il faut au minimum 8 à 10 degrés, donc on les a. Donc, je ne vais pas avoir besoin de chauffer. En dessous, il faut mieux chauffer au moins minimum la nuit à 8-10 degrés, c'est mieux. Pas avoir des chocs de température quand même. Et dans la journée, bah, vous voyez, moi dans la journée, il fait jusqu'à 29 degrés, donc c'est bon. Et c'est même de trop pour ce genre de... Pour toutes les semis, quand il fait 30 degrés tout le temps, c'est pas bon non plus. Hein. Donc bien sûr, après, il faudra peut-être ombrer si vraiment vous habitez dans les régions du sud, où il fait dès lors des températures importantes comme ça dans vos tunnels, ce n'est pas bon non plus. La meilleure température pour des jeunes semis, 20 degrés, c'est très très bien. Entre 15 et 20 degrés, en fonction des variétés de légumes que vous avez semés, c'est très très bien. Donc là, bah, on va mettre ça, et puis ça va sortir, allez, une dizaine de jours à peu près. Dans une dizaine de jours, si ça reste bien des températures à une vingtaine de degrés. Et après, bah, on mettra dans un mois à faire le rempotage. Et puis, bah, bien sûr, bah, cette plaque-là sera pour mes clients. J'en garderai quelques-uns pour moi, et le reste sera pour mes clients. Donc voilà, n'hésitez pas, si vous avez besoin d'autres conseils, bah, dites-le moi dans les commentaires, et puis moi, je vous répondrai sans problème. Allez, à la prochaine vidéo. Salut, merci.